en stream là, non? Oui. Donc on a un câlin contre Fandogs en stream. Et franchement, vu ce qu'ils mettent en stream depuis tout à l'heure, je me demande s'ils vont pas la faire off stream la win. Oh mais non. Moi, ce serait triste de fou. Mais je pense pas non plus. Et donc le gagnant va affronter soit Gohurisson, soit DF Metal en top 8. On va voir ce que ça donne. Fandogs, Fandogs en loser, c'est assez étonnant. Et donc, force à un câlin, force à lui, qui avait finalement un bracket pas facile. Qui a un bracket vraiment pas facile. Évidemment, on l'enterre pas, le set n'a même pas commencé. Par contre, la cam, elle est baissée là. Elle était pas comme ça, je crois. Voilà. Ouais, ça c'est nickel. Nickel, nickel. Alors, faire 0-2 à chaque wiki, c'est la vie que j'ai décidé de mener. C'est normal. Hein. Tout le monde est passé normal, par là, mon ref. Hein. Vraiment. Moi, j'ai mis 0-2. Hein. Comment? J'ai mis 0-2 de ma vie. Hein. Moi, en off, non plus. Mais. Ah, si, une fois, mais quand c'était à Besançon. Tu sais, il y en a un autre qui a jamais 0-2. Hein. Mais. Si tu taffes pas online, ni en offline spécialement, c'est normal au début, tu vas 0-2, genre. Enfin, non, si tu taffes pas en online, c'est normal que tu 0-2 en off au début, en fait. Jamais taffé en run, hein. Jamais taffé en run, hein. Pourquoi tu me contredis? Arrête de me contredire. Non, je lui donne un message beau. Alors, je lui dis, mec, continue de taffer, tu vas y arriver. Et toi, tu me dis, moi, non. Écoute, non, j'ai pas dit ça. Par contre, en vrai, les zéro tours, on les aime. Mais non, mais t'as fait des sessions alors. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait des sessions avant de faire des weekly. Oh, mais tu sais, c'est genre, toi, t'es arrivé, premier tournoi de ta vie, première fois que tu venais de jouer à Smash compétitivement. D'un c'était coup, t'as sur Smash 4, ça compte pas. Oui, bon après. Voilà, lui aussi, il a joué au jeu à l'époque où c'était gratuit. Je me faisais gatekeep par 0 FK à chaque tournoi, mec. Mais ouais, sur Ultimate ça marche pas comme ça par contre. Sur Ultimate, le 0-2 c'est normal. Hein. 0-2, non, mais en vrai, la grosse phase de 0-2. L'autre truc c'est que ça fait. Dites-vous bien que ça fait 3 ans que le jeu est sorti. Que. Les gens qui sont là, ils ont taffé le jeu depuis 3 ans. Genre, ceux qui sont restés, au début du jeu, c'est normal, il y avait beaucoup de débutants. Parce que le jeu venait de sortir, il y avait hype et tout. Maintenant, ceux qui sont encore là, c'est ceux qui ont continué à doser le jeu. Et du coup, c'est normal que même les gens qui font 0-2, ils sont chauds en vrai. C'est pas n'importe qui. Hein. Puis surtout, faut se dire que faire 0-2, quasiment la moitié des joueurs d'un tournoi font 0-2 en fait. Un quart exactement des joueurs. C'est un quart exactement. Ouais. Ben voilà. Un quart du tournoi sur 32, vraiment t'es pas le seul quoi. Et oui, très bien vu. Je crois qu'il y a que Fandogs maintenant. Comment ça, il a enlevé Norage? T'as enlevé Norage ou pas dans ton pseudo? Ouais, pardon. C'est juste Ok. Donc, en vrai, t'inquiète. Attends, quoi? Comment ça? Bon, numéro 12, c'est très bien. Ça lui va bien. Bah, mais quand même. Mais smash. Un peu de respect pour le. je suis désolé, je pense pas. Fandogs, le fameux joueur de Rondoudou. Attention là, wesh! Tu vois, on perd du temps là. Mais t'inquiète. Allez. Monsieur. On est parfaitement prêt ici. Oh mais attends, mais il a mis la musique, il veut changer là. Ça c'est la musique FL Dogs. C'est quoi la musique? Je sais pas. Ah. Est-ce que tu nous la chantes? J'ai pas entendu. Ah, par contre on trouve cette ouverture du côté de un canin. Malheureusement Upstro perd pas plus qu'il va être trouvé. Le petit upper, encore une fois, hein, le ladder, on connaît. Cette fois-ci, le ladder, c'est pas Mario qui l'a fait, hein, aujourd'hui. Très bon changement de sujet, il dribble bien. Et... Mais ouais, pour l'instant, game qui commence assez even, commence calmement, ça va. Là, on a un match-up un petit peu spécial. Quoi? Oh, j'aurais été étonné que ça tue aussi vite. Ah, par contre, ça cap, peut-être? Ouh, non, on n'a pas voulu cap, malheureusement. C'était gratuit, hein, pourtant. Vu cet angle. Un
Carlin qui s'en sort bien pour l'instant. C'est ça, le joli dash in. Voilà, par contre, on va trouver ce pair. On va aller un peu trop haut du côté d'un câlin. On va sauter dans ce gunman, malheureusement. Voilà, on va bien shield. Hein. On connaît ces zones mélangées. Et ici, très bonne utilisation des boules de feu pour forcer le retrait. Et là, il respecte extrêmement bien le jeu de Fandox. Alors, Duncan, c'est un personnage qui est assez étrange à affronter. Parce que tu veux à la fois ne pas être trop agressif, parce que sinon, tu vas juste te faire stop par une volée de projectiles. Et à la fois ne pas être trop défensif, sinon tu vas lui laisser le temps de se setup. Ouais. Pardon. Duckens, c'est le genre de perso que j'aime bien dire que c'est des persos qui t'envahissent un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a tellement de projos, tellement d'options, qu'il y a la canette, le frisbee, les cowboys, et finalement les moves de Duckens en lui-même, le upper, le fer, tout ça. Un perso qui va vite t'envahir si tu connais pas très très bien. C'est littéralement un zoneur. Ouais, mais pour le coup je trouve que c'est... Il va couvrir des zones et il va... Ce type de zoneur où t'as l'impression qu'il couvre tout, même si c'est pas vraiment le cas. T'as l'impression que... Là voilà, il t'envahit en fait. Je pense qu'il y a pas d'autre mot en fait. Bah, c'est littéralement un zoneur, il va essayer de... Ça c'est de couvrir des zones. Et de t'empêcher d'aller dedans, c'est un peu comme Min-Min au final. Hein. Au final, est-ce que Min-Min et Duckens c'est pas le même perso? Et bah non. En fait, Min-Min, je sais pas si t'as remarqué, c'est un perso de ARMS. Et en fait, c'est une meuf avec des gros bras. Ok, ok, mais on en parle de ce frisbee. Frisbee de l'air. Et ouais, c'était stylé de fou. Et là, Fandox qui a vite repris l'avantage. Hein. Il avait perdu la première stock, là il a enlevé deux stocks d'un coup. Ouais, mais pas un énorme avantage, hein, mine de rien. Et là, on va réussir à trouver... Ça, c'est extrêmement bien joué de la part d'un câlin de premier backer pour couvrir sur ce... Pour couvrir ce frisbee. Deuxième backer pour cross-up. Et ensuite, on va trouver le grab. C'était une pression, une énorme pression que t'as réussi à mettre. Et malheureusement, pour Fandox, on voit qu'il voulait mettre ce... Frisbee F-Smash. Pardon. Hey. Stylé. Pardon, le frisbee F-Smash, il est à 50%, monsieur. Alors, le F-Smash hein, qui était orienté vers le haut. Hein. Je crois qu'il c'est pas orienté par le joueur, les smash de Duckhunt, mais que c'est orienté automatiquement. Il y a un... Ah ouais, c'est un peu comme l'auto-reticle de Palutena, c'est un petit... Ça vise automatiquement. Si ton adversaire est plus haut, ça va aller plus haut. Si ton adversaire est plus bas, ça va aller plus bas. Ok. Je savais pas. Mais et du coup c'est comme ça que le frisbee F-Smash, avec le frisbee qui envoie le mec un tout petit peu en l'air, le F-Smash en fait il va aller un petit peu en l'air pour le suivre. Ça suit. D'accord. Bien vu. C'était carré. Petite transition sur le timing là, on est trop chaud ici. La régie parfaite, incroyable. Et j'ai rien dit, je ferme ma gueule, désolé. Et on part sur quel ça. Et ouais, Kalos, que je... Bon, je dirais que c'est un stage qui avantage pas mal de Kunt, je pense. Je suis pas sûr parce que honnêtement, alors ça c'est de mon expérience personnelle, mais j'ai jamais perdu contre Fanlock sur Kalos, j'ai toujours eu l'impression que ce stage était dégueulasse pour de Kunt. Genre. Juste. Et Mais après, c'est peut-être mais je pense que c'est un stage déjà meilleur pour de Kunt que pour Mario, je pense. On va voir comment ça va se dérouiller. Mario qui aime beaucoup les plateformes. Là, pour le coup, les deux plateformes, elles sont un petit peu spéciales. Bah pour et le coup, il y a aussi des wall jumps. Qui, je pense, aime beaucoup les grands stages. Donc, je pense que c'est quand même que c'est plus ouais. L'avantage de Duckhead. Ça aime les grands stages, mais ça aime pas les petites blazones longues, aussi longues que ça. Ouais. Parce que ça peut galérer à tuer, hein, vraiment. Oh, par contre, s'il galère pas à tuer, c'est ce up smash qui va être trouvé en entière. C'est extrêmement bien vu. Fandox a pris quasiment zéro dégâts sur ce stock. Hein. Et malheureusement, tu n'as pas le droit de venir attraper le chien à cet endroit-là. Parce qu'il y a juste une canette en fait. T'as oublié, mais Duckhunt c'est presque du 2v1 au final. C'est presque contre Popo et Nana en fait. Si tu tapes le chien, il y a la canette qui vient te punir. C'est du 3v1 avec le canard, hein, tu connais. C'est ça, hein. Du 4v1 avec le joueur hein, d'ailleurs. Hein. Parce que c'est le joueur qui vise sur son zapper. Hein. Au final, est-ce que
Est-ce que c'est pas impossible de gagner dans Kondoken dans ces conditions? Bon, en vrai, c'est aussi du 10v1 avec les cowboys. C'est ça. Franchement. C'est vrai que ça fait beaucoup de joueurs à un moment, quoi. Voilà. Tu vois, je t'ai dit, ça t'envahit, wesh, y'a trop de gens. Ça fait beaucoup d'acteurs dans une même partie. Mais là, là pour l'instant, Fandogs qui a un avantage plus que conséquent. Là, et là, on voit la très bonne utilisation. Ouais, il est trop clean. Et un câlin qui s'est... Alors, je crois bien que c'est SD. Hein. Ouais, y'a pas d'autre mot. Hein. C'est vraiment... il a fait le con. Hein. Yo à tous, salut Pennywise. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent comment fonctionne exactement la canette de Duck Hunt, elle a une direction, en fait. Elle a une orientation. Et de base, elle va être envoyée vers l'avant, mais il y a certains coups qui vont la faire envoyer vers l'arrière. Et c'est par exemple pour ça que vous voyez ce up tilt, voilà exactement. Une fois qu'il a mis le up tilt sur la canette va être éjectée dans l'autre sens. Le dash grab qui a pas pris malheureusement, et s'il avait réussi à dash grab, il aurait sûrement fait backstroke canette. Là, malheureusement, SD. Dommage, Fandox a voulu vraiment. Il a voulu vraiment stall un maximum parce que sa canette est située sur le terrain et il veut utiliser sa canette pour couvrir sa recovery. Vu que la recovery de Duck Hunt est extrêmement punissable, il veut la couvrir avec sa canette, mais quand elle est déjà sur le terrain, il ne peut pas l'utiliser. Alors du coup, il a essayé d'aller le plus haut possible afin d'utiliser au maximum sa canette qui était sur le stage et de pouvoir en ressortir une nouvelle dès que possible afin de corriger sa reco. Ledge trap canette là. Un canon qui est quand même assez patient. Là, il se précipite pas. Voilà, là, ici, on vient couvrir la roll, c'est bien joué. On vient faire des échanges, malheureusement. Ici, c'est un canin qui va se retrouver offstage, qui va se retrouver à 150%. Ça risque d'être compliqué hein, de revenir. Là, je vais pas mentir, j'y crois malheureusement pas trop. Ouh, l'air dodge directionnel qui était peut-être un petit peu de trop. Mais pour l'instant, un canin qui survit, même si ça va être très compliqué de rattraper 157%. Duck Hunt contre un perso qui t'envahit comme j'ai dit comme ça, 79% là, voilà. De stock, ça va être compliqué. Là il a voulu tenter sa spéciale hein. Baxco. Il a voulu tenter sa spéciale avec le... C'était fait exprès hein, il voulait tech je pense pour Rico, mais il a raté la tech. Si c'était fait exprès, c'était extrêmement smart. Non c'était complètement fait exprès, Fanox il le fait très souvent ça. C'était stylé. Et... en général il rate pas la tech par contre. Alors ce backer qui était... un petit peu bourré et qui a été instant puni par la canette par Fandox et très clean hein. Franchement rien à dire, franchement c'est une victoire carrée. Ah, c'est ça, il a réussi pas mal dominé dans l'ensemble. Très bien utilisé Kalos au final. Il a réussi à survivre plus longtemps qu'un câlin, même si la dernière stock était un petit peu longue. Il s'est fait gratter tant que ça le temps de terminer. C'était plutôt propre hein, mais vraiment ce qu'on attendait hein, du joueur de la CNT. Le CNK je veux dire. D'ailleurs Fandox il y a deux teams. On va pas le dire mais à un moment faudra en trahir une des deux, hein. Faudra faire un choix mon petit. Hein.